Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui m'a été envoyé très sympathiquement. Et ce produit est le Niwer, la lampe Niwer. Alors, c'est un carton assez grand, rectangulaire, puisque cette lampe est entièrement démontée. On va la monter ensemble, on va faire l'unboxing ensemble. Et vous allez voir que dans cette lampe, il y a quand même pas mal de petits objets. Cette lampe est en forme de cercle, elle est entièrement démontable et entièrement gérable par télécommande. On va passer ensemble à cet unboxing de la Niwer, donc une lampe vraiment très sympathique et vraiment très fonctionnelle. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait, et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà, donc on a quand même un très grand carton. Une fois que tout sera enlevé de ce carton, il y a pas mal de petits objets. Donc ici, on a déjà un carton rectangulaire avec normalement pas mal de petites choses à l'intérieur. Je vais vous faire donc l'unboxing correctement tout à l'heure. Mais on peut déjà s'apercevoir qu'il y a tout ce qui est le côté connectique, côté câble, côté support. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment très agréable de voir tout ce matériel. Une lampe qui va, je vous répète, donc servir pour la vidéo, pour les photos. Ça va vraiment être une lampe qui va avoir différentes fonctionnalités. Vraiment, vous en serez pas du tout déçu. Et ici, on peut s'apercevoir que notre lampe a été mise dans une superbe housse de transport, puisque comme je vous ai dit aussi, cette lampe est entièrement transportable. Ce qui veut dire que si vous partez en vacances, si vous partez dans des endroits peu lumineux, mais grâce à cette lampe, vous allez pouvoir vraiment éclairer les endroits que vous allez voir filmer, vous allez voir prendre en photo. Ça va vraiment être un plus, d'autant plus que ici on peut voir que la pochette de transport est vraiment très jolie. Alors voilà le anneau lumineux d'un très bon diamètre et la lampe est vraiment d'une très belle finesse, d'une très belle finition. Vraiment, je suis pas du tout déçu. Vous allez voir comment on l'adapte sur le support, sur le pied. On est sur un système de lampe très professionnel où on va pouvoir ranger ici, comme vous pouvez vous apercevoir, dans la sacoche et transporter notre lampe sans aucun souci. Alors le dernier carton est un carton carré qui lui va donc certainement nous présenter le pied. Ici on a un joli pied en alu qui est vraiment pas du tout lourd. Et ce pied va venir en fait se fixer la lampe. On a vraiment une solution entièrement transportable, très professionnelle. La société qui m'a envoyé cette lampe est une société qui fait des lampes pour les youtubeurs, des lampes pour les professionnels. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment m'aider dans mon quotidien. Vraiment, je vous conseille, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description si vous souhaitez faire l'acquisition de ce genre de lampe, puisque en plus, vous allez voir qu'elle a différentes fonctionnalités en termes de luminosité, donc lumière chaude, lumière froide, et je pense qu'elle peut être très utile pour certaines personnes déficientes visuelles, certaines personnes malvoyantes. Alors, on va monter tout ça, c'est parti, et on va voir comment tout cela fonctionne. Alors, une fois que le pied a été monté, voilà ce que l'on retrouve. Donc on retrouve un pied en alu qui est entièrement gérable et qui va se monter à la hauteur que vous allez vouloir. Ici, on a de toutes petites manettes qui permettent d'allonger notre pied. On peut le monter très haut et on voit que une fois qu'il a été monté, on resserre la petite manivelle. On a exactement la même chose en contrebas par rapport au pied de dessous. Et bien sûr, le pied d'en bas est un pied triangulaire qui se replie sur lui-même. Alors passons au montage de notre luminaire. Nous avons donc une structure ici qui va s'enclencher dans notre pied avec une petite vis qui permettra de la serrer. Une autre petite vis a été mise ici pour le bascule de la lampe. On défait la petite vis sur le côté vraiment à fond pour que notre lampe coulisse tout seul dans son emplacement. On entend un petit clips. Une fois celle-ci
enfoncée, on peut revisser notre vis pour serrer notre lampe. Une fois notre lampe correctement montée, voilà ce que ça donne. Donc on a un grand cercle. On a vraiment une lampe ultra design. Et vous allez voir que le fonctionnement est assez sympathique. On s'aperçoit ici, dans le anneau lumineux, il y a donc différents boutons de réglage par rapport à la luminosité de notre lampe. Et un emplacement où il y a donc un support pour smartphone. C'est vraiment une lampe ultra professionnelle. Si vous êtes youtubeur, si vous êtes photographe, cette lampe est vraiment faite pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui filmait ou si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir de super beaux rendus de photos, c'est une lampe à ne pas manquer. Voilà, donc ici on a le carton avec tous les ustensiles nécessaires à l'utilisation de notre lampe. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses sympathiques. Hein. Aussi bien en télécommande qu'en câble qu'en support, c'est vraiment le top. Et bien sûr, on aura toute la documentation en français sans aucun souci pour utiliser notre lampe. Voilà, donc on retrouve la connectique pour brancher notre lampe à une prise murale. On retrouve une toute petite télécommande très sympathique qui va être compatible iOS et Android pour déclencher la prise de photo à partir de votre Android ou à partir de votre iPhone sous iOS. Et ça, c'est vraiment sympathique, ce qui permettra d'être loin et de pouvoir déclencher notre appareil photo à distance. On a aussi donc le câble. Alors si vous partez dans d'autres pays, on a aussi un câble adaptatif par rapport aux prises en Angleterre, aux États-Unis, si vous êtes un grand voyageur. On a aussi une pièce métallique amovible qui, elle, va permettre en fait d'être connectée dans le anneau de la lampe pour justement visser l'adaptateur de smartphone, puisque vous allez pouvoir mettre votre smartphone au milieu de cette lampe, dans le centre de cette lampe, pour justement avoir un effet halo, un effet lumineux, pour avoir le meilleur rendu de vos photos ou de vos vidéos. Voilà tout ce qu'on retrouve au niveau du carton interne de la lampe. On va maintenant passer au petit montage de l'adaptateur pour smartphone et on va voir comment cette lampe fonctionne. C'est parti. Derrière le halo, derrière donc la lampe, on a notre connectique qui va se brancher à cet endroit. Attention, cette connectique est propriétaire. Nous avons donc sur le dessus, sur le support, en fait, une glissière où va venir se positionner cette pièce métallique. Dessous, vous avez le système qui va se coulisser dans la fente adéquate. On va le mettre tout de suite, c'est parti. Pour que la pièce puisse tenir correctement. Une fois cette pièce mise en place, vous avez sur le dessus un filetage où le support de smartphone va venir se monter. Ce filetage va venir se visser sur cette partie-là. On le visse, c'est parti. Une fois le tout monté, voilà ce que ça peut donner. Donc on a ici le cercle de la lampe avec le pied en aluminium. Donc je peux vous dire que ça fait un super beau rendu. On peut s'apercevoir maintenant que notre support de smartphone a été donc correctement mis au centre de notre lampe. On va tout de suite placer un smartphone dessus et vous allez voir ce que ça donne. C'est très sympathique. Ici, on aura donc le smartphone au centre de notre lampe, ce qui permettra d'avoir une luminosité parfaite lors de vos vidéos et de vos photos. Voilà le rendu avec un smartphone au centre de la lampe. On peut s'apercevoir ici que le smartphone est correctement tenu. On peut, si on le désire ici, basculer le smartphone. Et vous pouvez voir que on est donc vraiment sur une lampe super sympathique, avec vraiment un très beau rendu design. Et vous pouvez voir que le smartphone tient parfaitement bien dans la lampe. Je viens donc de l'allumer. C'est vraiment un rendu magnifique. Je vais vous faire donc des petites photos, des petites vidéos avec pour que vous puissiez voir comment ça rend un peu mieux. De chaque côté de la lampe, on a donc deux boutons qui vont servir à jouer
sur la luminosité, donc la lumière froide ou la lumière chaude. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, on peut s'apercevoir ici, lorsqu'on va allumer notre lampe, on a le système d'intensité. Et vous pouvez vous apercevoir avec cet halo, on a un très beau rendu de couleur, avec une couleur de lumière de jour. Et vraiment, c'est quelque chose de magnifique au point de vue intensité. On peut donc passer sur une lumière chaude ou directement passer sur une lumière froide. Alors c'est vraiment agréable. Ici, on est sur le maximum de la lumière. Je vais vous mettre une petite photo que j'ai faite suivant le plan d'inclinaison que vous avez besoin. Avec la petite manivelle qui est sur le haut de la lampe, on la dévisse. Et ici, on peut s'apercevoir qu'on peut la basculer sans aucun problème, suivant le champ que vous devez prendre. Votre bureau parfaitement bien éclairé ici, et vous pouvez donc filmer ou prendre en photo les objets que vous désirez. Alors, on peut vraiment la mettre à plat si on le désire, et ça, c'est vraiment sympathique pour travailler. Alors, le système est très rapide à mettre en place, et ça, c'est vraiment top. Donc, je règle la luminosité. Et je peux prendre ici de magnifiques photos. Voilà donc pour cette lampe. N'hésitez pas donc surtout à liker la vidéo, à la partager. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Abonnez-vous à Vision High Tech si cela n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir pour de nouvelles présentations. Il y a de grosses choses qui arrivent. Bientôt la réponse au concours que je vous avais fait dernièrement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous et un gros pouce bleu si ça le mérite. À bientôt.